Hello l'équipe, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Nouveau tournoi cette fois-ci sur le circuit FIP, circuit professionnel de la Fédération Internationale de Padel qui est devenu récemment le circuit officiel. Donc je vais commencer sérieusement à me mettre à faire pas mal de tournois sur ce circuit et aujourd'hui, tournoi FIP en Belgique à Coxyde précisément où je vais jouer avec Maxime Forcin contre qui j'ai perdu justement au dernier FIP que j'ai fait à Perpignan. Avec Lilian, on a perdu contre lui en dernier tour de qualification. Donc, je pars le rejoindre à Paris, là je suis garde Bois-le-Roi et ensuite on fait la route ensemble direction Coxyde. À toutes. Ouais les gars, jour de match, on est vendredi. Alors notre match devait être dans le club de padel de Coxyde à 13h, cours numéro 1. Et finalement, on a été décalé à 14h30 sur le cours central. Donc c'est vachement cool parce que c'est un cours qui a été aménagé dans le centre-ville. Voilà, un peu comme à Perpignan. Donc je pense que ça va être vraiment très sympa. On joue directement à la tête de série 4, Gins Peters. Je crois que c'est les numéro 1 belge, donc ça va être vraiment un très très gros match pour nous. Il va falloir vraiment qu'on joue notre meilleur niveau. Mais ça va être intéressant parce que c'est une grosse équipe qui a l'habitude maintenant de jouer les FIP. Ils ont plus de 150 points cumulés à 2, je crois bien. Non, ça va être un très bon match. En tout cas, là, les conditions sont top. Il fait beaucoup plus frais qu'à Paris. On est sur du 20-25 degrés, donc c'est agréable. On a pu taper un peu ce matin. C'est cool aussi, ça joue en balle Joma. Première fois que je joue avec, ça avait l'air de pas mal sortir. On va voir, en tout cas, on a tous les deux un bon match avec Max, donc on va essayer de jouer avec nos qualités. Et voilà, on va tout donner. Hein. Ce qui est sûr, c'est qu'on va tout donner. Hein. Allez, à toutes. L'équipe, comme vous le savez peut-être, j'ai pour projet d'aller vivre et m'entraîner en Espagne, au pays du padel, au mois de septembre. Évidemment, une saison là-bas, ça coûte très cher. C'est pourquoi j'ai besoin de partenaires et de sponsors pour m'aider à financer ma saison. Pour ça, rien de plus simple, il faut développer au maximum la chaîne YouTube. C'est pourquoi je vous demande tout simplement de mettre un petit pouce bleu et vous abonner à la chaîne. C'est complètement gratuit pour vous et ça me permet de développer la chaîne et d'espérer, pourquoi pas, récupérer des partenaires et des sponsors. Allez, bonne vidéo.
Game and first set. Bon, l'équipe, petit débrief de ce match-là. Que dire, bah, que dire, l'impression de ne pas avoir fait un vrai match de padel, des mauvaises sensations. On perd,
persiste de 6-4 et on n'a jamais l'impression, je pense que Max c'est la même chose, hein. On n'a jamais l'impression de vraiment rentrer dans ce match. Personnellement, je me suis très mal senti au retour de service et en défense dès qu'on était derrière, quoi. J'avais des grosses difficultés à défendre. En fait, dès que les mecs jouent bien comme ça, jouent un peu plus vite, ont des volées plus tranchantes, bah, là je me rends compte que je suis largué défensivement. Autant au filet et en phase offensive, j'étais vraiment bien, que j'ai été agressif quand il fallait à la volée, j'ai envoyé les bons matchs qu'il fallait. Les mecs ont d'ailleurs beaucoup plus poncé Max quand nous on était au filet, et Max a un peu raté là-dessus, au-dessus de la tête, voilà, il a raté un peu des matchs qui habituellement il peut être très, très efficace, quoi. Ce qui est embêtant, c'est que même si on fait un match moyen, on est mené 5-4 au deuxième, pas de break, on mène 40-0 sur mon service et on se fait breaker là-dessus, quoi. Sur un point décisif. Voilà, en plus on avait zappé que c'était point décisif, donc voilà, 41, on perd le point, c'est hyper frustrant parce que bah, on a l'impression d'être dans le match jusqu'au bout, en fait, jusqu'à 5-4, tout se passe bien, on mène 40-0 et en fait en 4 points, boum, bah, fin du match, merci, au revoir. Donc ça fait chier, ça fait un week-end là, enfin deux journées de perdu où on a pris un point chacun seulement, c'est que dalle, pas de chance sur le tirage qui a été refait en plus, ou, enfin bref, très 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 bizarre, hein. Très bizarre ce tirage au sort, mais bon, c'est comme ça, faut accepter, faut repartir à l'entraînement. En tout cas, là je vais rentrer en train, Max va me déposer gare de Dunkerque, c'est pas trop loin, et après je vais pouvoir retourner demain à Roland, voir les demi-finales. Et ensuite, semaine prochaine, direction Barcelone, que jour d'entraînement, ça va faire du bien, parce que là je sens que j'ai besoin de répéter et de m'entraîner. Bon, voilà l'équipe, fin de ce FIP Prize à Coxide. Je suis rentré chez moi. Tournoi à oublier, hein, très clairement. Tournoi à oublier. Voilà, un match qui s'est très vite terminé avec des mauvaises sensations. Donc voilà. À oublier, en tout cas, on prend un point chacun avec Max. Super. En tout cas, merci à toi, Max, pour ce petit séjour. C'était quand même sympa. Bah, on fera mieux la prochaine fois, c'est certain. Comme d'hab, si vous avez kiffé la vidéo quand même. Et pour me soutenir, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, à vous abonner, voilà. La semaine prochaine, stage en Espagne, je ferai des vidéos. Ensuite, il y aura des tournois qui vont arriver, encore un peu de tennis, mais peut-être mes dernières compétitions de tennis avant un bon moment vont arriver aussi. Donc voilà, ça va être très très sympa. Donc voilà, lâchez le petit abonnement et je vous retrouve très très vite dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.